Eh oui, c'est Claytech Pro. Déjà, moi, c'était une année de succès. Année enragée de full motivation pour nous avancer chaque jour avec ça que nous gagnons comme programme, ça que nous gagnons comme objectif. Ok? Alors, soit année qui a un peu de motivation, alors, moun pas veillé à faire pas moun. Donc, make sure que ou concentrer ou sur a fait pour vous de façon que vous pouvez avoir plus de temps de façon que vous pouvez atteindre comme objectif. Ok, alors déjà ma petite nous une année côté que nous concentrons un peu sur ça que nous voulons faire, sauf que 2021 et 2022 c'est juste des chiffres pour moi, c'est un an qui est allé passer par deux de la même année 2022. Mais changement concret, changement ça que nous voulons réellement, c'est nous qui proposons de la caille chaque jour par rapport avec les gens qui nous ont agi, par rapport avec ça que nous avons fait. Alors déjà, je dis merci avec tous les abonnés et merci spécial avec et Smart Java et Diaspora Academy de Jeff Laporte et qui toujours bon full motivation. Et merci avec motivation monsieur. Puis et Mac Business qui sont abonnés inconditionnels de Claytech Pro. Et Stéphie, puis m'gagne Mali Production qui toujours campé là avec groupe Claytech Pro. Alors déjà je dis, nous parlons pas de qui ça, de régulateur ça qui était en panne. Alors même les beaucoup rangel, même parce que je dis on apprend rangel ensemble quand même. Ok? Alors, qui ça il y a comme problème, c'est que lorsque il est connecté avec la batterie, il n'est pas allumé du tout. Alors, si vous regardez la vidéo précédente, c'est que l'aime connecté la batterie sur réellement, l'écran va afficher. Et nous trouvons que c'est un jod qui est défaut là-dedans. Alors, je dis, nous allons ouvrir le lien encore, nous allons connecter pour nous aller pour nous voir est-ce que l'IA est allumé ou pas lorsque nous changeons de jode là ou bien lorsque nous faisons point de soudure au niveau de jode ça qui n'est pas bon. Alors, ça c'est un régulateur, c'est MPVT et Power Mister. Alors, qui est pas mal du tout en termes de rendement. Qui est pas mal du tout en termes de rendement. Alors, ça que conseille Mounio lorsque nous avons un gros budget, nous cachons-le parce que ça a vraiment. Il faut vraiment un bon rendement, ok? Alors on va essayer de faire ça ensemble, on va essayer de réparer le régulateur ça. Je vais me connecter 12 volts batterie là-dedans. 12 volts batterie. Déjà, je vais tester la batterie d'abord. Voltage DC. Plus. Moins. 12 points. 10 volts. Ok. I'm okay now. Ok, good. Ok, maintenant nous allons aller connecter la batterie. Alors, l'important, on va installer par notre le régulateur là. Connecter le régulateur sur la batterie, c'est et connecter la batterie avec le régulateur là. De façon que pour le cas, vous connaissez le banc de batterie et voltage de batterie. Ok, nous connecter le régulateur là. Et me connecter positif là tout là. Ok? Ok. Me connecter positif et négatif, n'a pas que par gain qui fait. Ok? C'est parce que Ligue en panne. Alors, on va essayer d'arranger ça ensemble. On va essayer d'arranger ça ensemble.
pas oublier abonner avec channel là, like chaque vidéo, commenter, partager. Et m'a toujours répondre question nou yo green par green. OK. 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 Alors, là nous ouvre régulateur là. On nous garde ensemble avec moi. Nous ouvre là. Et défaut, nous déjà un défaut au niveau de ça. De ça. J'ai un défaut au niveau de régulateur ça. Alors il était coupé. Il était coupé. Il n'est pas marché correctement. Alors de ce fait, nous avons supposé remplacer Jod ça. Mais sauf que Jod ça c'est un Jod qui soudé en surface. qui soude en surface là du tout à l'autre cathode bagay ça la même bagay la même. OK, alors m'a repasser pour l'autre jod, c'est simple, m'a juste repasser pour l'autre jod qui pour alimenter et régulateur là, parce que jod ça pour sortir au niveau de et positive battery là, il y allait alimenter circuit intégré. Donc il a alimenté et système qui peut permettre que régulateur là m'a ouvert lui-même en soi. OK, alors si je dis ça pas bon, et là ça pas marché. OK, et là ça pas marché. Alors on va essayer, on va essayer font test, on va connecter écran. Est-ce que ça va pas un problème? Et on nous connecter écran. On essaie de faire test. OK. On essaie de faire test. On a connecté écran. OK. Donc, nous connecter écran. OK. Nous connecter écran seulement. Ah ouais, on a connecté fenna. OK. Et on essaie de mettre un jod. On essaie de mettre un jod dans place ça et qui part bon pour nous, qui gens que l'appuyage. OK. On met en jaune. Cathode, anode. Okay, that's why. Okay. Est-ce que nous voyons ça moi? Est-ce que nous voyons qui ça que moi? But bagay jod qui soude en surface. Alors qui soude en surface? Alors composant ça c'est composant SMD. C'est dit que ça yo soude en surface. Ça veut dire que pas ni genre de jod ça là du tout. Mais transistor qui soude en surface
des petits transistors qui sont dans la surface même avec John ça. John Gay aussi John ça yo. Mais ça passe dans la surface, ça c'est fou et puis non, puis soudé le par en bas. OK par en bas bord là, mais sauf que ça va soudé en surface. On pas gain John ça là et Raquel m'a fait là avec ça pour me essayer tester ce qui passe John là réellement. On va le connecter à notre cathode pour nous garder pour nous ça qui passe. Regardez là tu là, regarde écran là tu là. Bien. En même temps, on va garder connexion à faire tout. OK. Et ça me garde plus. OK, pas de problème. Pas de problème. Anode. Cathode. OK. Ça nous là. Nous avec le régulateur là, lui de finir. Est-ce que nous là? C'est que le régulateur a pas un problème. Pour qui ça ne pas allumé du tout? À cause de une graine diode qui pas bon là-dedans. À cause de une graine diode qui pas bon là-dedans, pas allumé du tout. Et ça me fait nous comprendre au niveau de l'électronique là. L'électronique là, c'est un enchaînement. C'est un enchaînement tout composant yo lié avec une autre et chaque utilité par yo. Là, à cause de seulement si jod ça, à cause seulement on gagne jod, le régulateur a décidé par lui-même il pas fonctionner, il pas capable charge. OK? À cause seulement on gagne jod. Et pour me jeune panne ça, premièrement, tu ouvres le régulateur là net. Tu ouvres le régulateur là net et me tester quelques composants qui quittent la campagne. Puis, le mouvé sous partie ça, parce que ça guide jod là, regardez, moi que l'igé en défaut. Défaut que l'igé là-dedans, c'est que au niveau de jod là, moi l'igé des petits calcaires qui sale me dit. Ok, bon, vérifie. Mais sauf que Jean Jod la moute, Jean Jod la chita, et tant que Jod la pas gagné en réalité, et tant que pas gagné parce que les chita correctement, les chita à l'aise, mais sauf que sous bien cadé, ou après que les petits calques. Mais quand il y a là, je vais tester, le va tester, je vais garder Jod la, les passes, les décoller réellement sous bord là, je dis ok, pour le mettre à sortir au niveau de Jod Zala. Puis, je vais tester, je vais garder vraiment. Jod là, il y a des défauts. Je dis à la ma fin avec vidéo, nous voyons que les méthodes de Jod, les marchés correctement. Ça veut dire que malgré que, ouais, et le régulateur là, mais il n'y a pas une voiture à tout, il y a tout composant ça là-dedans. Il y a un lien entre eux, il y a un lien entre eux quelque part quand même. Ça veut dire que ça arrive que c'est seulement un petit code de s'attaque pas, ou plutôt, les bails, on part dans le système de défaut. Ça arrive que c'est un petit résistance ou transistor pas moins les bons passes dans le système en défaut. Ça qui arrive que c'est un circuit intégré pas moins les bails en défaut. Ça veut dire que tout net, il y a un lien entre vous. Étant comme un caille, étant comme un caille qui est là-dedans, qui est là-dedans et poteau, qui est là-dedans et poutre, ok, qui est là-dedans et ceinture. C'est que si que les gens n'ont pas gagné, de la mode de poids qui est là, les cas gagnent en défaut. Ça qui arrive que capacité pas bon mais marcher correctement, mais sauf que vous connaissez que gon courant gon tension qui pas filtré mais il capable marcher peut-être, mais au niveau de John Zala qui c'est base là qui c'est sol là pour qu'on sorte une batterie aller alimenter ses courants, il pas bon il pas lui même. OK, alors déjà c'est clair tech pro et on nous ranger ça ensemble On va manger ça ensemble.